C'est le moment d'analyser le match jusqu'à présent. C'est la deuxième mi-temps qui commence. Il passe à l'offensive. Oh, il lui subtilise la balle. Et il frappe. Le gardien s'impose facilement. Une occasion maintenant. Dégage la tête. Bel arrêt. Un maléfique. Zanka. Makula. Zanka. Un remplaçant pourrait entrer en jeu. Tizouni. Il t'apporte. Il joue court. Il recule. Il peut se créer une occasion. Tire. On joue depuis 35 minutes. Le coup de passe. Le remplaçant pénètre sur le terrain sous les applaudissements du public. C'est épuisé avant même la seconde mi-temps. L'arbitre siffle la faute. À Romain. Il passe de la tête. Il ne faut pas le laisser seul. Sifflet retentit et c'est ainsi que se termine ce match magnifique. La Tunisie n'a pas réussi à marquer le match. Nous sommes en direct du Catalonia Stadium. Fans de football, bonjour et bienvenue, ici Edgar Bureau. Et pour commenter ce match à mes côtés aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Perron. Bonjour Edgar, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Coupe africaine, finale. L'Égypte contre la Tunisie est la rencontre d'aujourd'hui.
C'est l'heure de débuter cette rencontre. C'est leur ordre d'observation. Abdalefi, Ibrahim Salah. Signalant le début de la deuxième mi-temps. Basse. Cinq minutes de jeu en seconde mi-temps. Une passe rapide. Zaka. Même dans une position difficile, il réussit à passer ce tir imparable.